Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Diamond Painting aujourd'hui. Voilà, petit avancement de mon DP La femme et le tigre de la broderie de la boutique e-broderie Diamant. Voilà, je me mélange les pinceaux. J'en suis arrivée à la troisième partie. Donc moi je fais des parties, des lignes, hein, on va dire. Donc j'en suis arrivée à la troisième ligne aujourd'hui. Voilà, ça avance, ça avance. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Donc voilà, j'en suis arrivée donc à la troisième ligne pour moi. Donc c'est des lignes, souvent je fais trois carrés pour faire une ligne. C'est bien parce que là maintenant j'arrive dans le visage de mon personnage, donc c'est super. Là vous verrez donc la première partie de cette troisième ligne. Donc je referai une vidéo peut-être dans la semaine, je verrai comment ça ira. J'avais un truc à vous dire. Mais quoi? Mystère et boule de gomme, je ne sais plus. Cette semaine, voilà, vous allez aussi avoir la fin, je profite en même temps pour le dire, la fin de la commode. Voilà, vous aurez la dernière vidéo de la commode. Ça y est, j'ai reçu le dernier tissu qui me manquait pour terminer la commode. Donc voilà, je l'ai reçu. Celui-ci, pour finir le couvercle. Alors, en ce moment, j'ai des problèmes avec Mondial Relais. Ils m'ont perdu un colis. Alors là, il est définitivement perdu. Voilà. Super, bravo, merci. Et là, donc ça, c'est un tissu qui vient de la boutique de Sylvie, de Pick & Patch. Voilà. Et elle me l'avait envoyé, Alors, est-ce qu'il y a la date là-dessus? Mercredi, je crois. Je ne vois pas la date. Oui, de toute façon, ça doit être mercredi. Donc, normalement, j'aurais dû le recevoir vendredi. Vendredi, il n'y avait rien. Samedi, il n'y avait rien. Et heureusement, aujourd'hui, je l'ai reçu. Donc, je vais pouvoir terminer la commode. Voilà, donc, et c'est super. En plus, Sylvie m'a appelée catastrophée parce que sur le suivi, c'était marqué que le colis repartait alors que je l'avais bien reçu. Mais bon, là, c'était la poste. Hein. Mais bon. Par contre, Mondial Relais, eux, m'ont paumé un colis que j'ai déposé donc à mon relais le 30 mai. J'ai déposé le 30 mai. Le suivi ne s'est jamais mis sur le site internet. Alors que le commerçant m'a bien montré qu'il avait bien bipé mon colis, qu'il avait bien mis dans le sac de retour et tout. Et ça ne s'est jamais enregistré au niveau du suivi. Et puis, ben voilà. Donc, le colis, on ne sait pas où il est. Et donc, là, ils me l'ont dit, il va être considéré cette semaine comme définitivement perdu. Mais bon, le colis est bien quelque part, hein, quand même. Et ce qui m'embête le plus, c'est que ce colis, il y avait des coupons de tissu dedans. Et il y avait des masques que moi, j'avais fabriqués pour une amie qui travaille pour les environs de l'hôpital. Du coup, voilà. Donc non seulement les tissus qui restent qu'elle m'avait envoyés sont perdus et les masques que je lui ai fabriqués sont perdus, voilà. Et donc ils doivent normalement me rembourser, mais quoi, c'est pas une grosse somme, hein, ils doivent me rembourser 20 ou 25 euros seulement,
Enfin bon, cet argent n'ira pas à moi, hein, puisque ce n'était pas mes tissus à moi. Mais bon, il y avait quand même pour plus de 20-25 euros dans le colis. Hein. Donc on verra. Mais enfin, ça me met les coucou. Merci Mondial Relais. Super. De toute façon, je ne passerai plus par eux. Hein. En même temps, je profite pour vous le dire. Si un jour vous me passez une commande ou quoi que ce soit, je ne passerai plus par Mondial Relais pour envoyer les colis. Ou sauf si vraiment vous voulez que je passe par Mondial Relais, ben vous en prendrez la responsabilité vous-même de vouloir que j'envoie le colis par Mondial Relais. J'en serai pas responsable du tout. Et dans ce cas-là, je vous demanderai également de payer une assurance en plus, parce que là, Mondial Relais m'avait demandé si j'avais pris une assurance pour le colis. Et j'ai dit, ben non, j'en prends jamais, je prends jamais l'assurance, j'ai jamais eu de soucis. Donc, si vraiment un jour, je dois vous envoyer un colis ou quoi que ce soit, et que vous voulez absolument passer par Mondial Relais, bah, je vous demanderai de payer l'assurance en plus. Et si vous voulez pas payer l'assurance, bah, tant pis, hein, si le colis est perdu, là, moi, toute façon, assurance ou pas assurance, moi, je ne serai pas du tout, du tout, du tout responsable. Moi, de toute façon, j'envoie toujours les numéros de suivi. Je prouve que le colis a été mis au relais, tout, donc. Moi, je ne suis pas responsable après. Voilà. Là, de toute façon, mon amie le sait très bien. Elle sait que là, ce n'est pas moi qui est responsable. Et donc, ce sera comme ça pour tous les colis que j'enverrai maintenant. Donc, ce sera la poste en premier lieu. Et si vraiment les personnes ne veulent pas que j'envoie par la poste, je ferai Mondial Relais, ok, mais là je serai encore moins responsable de ce qui pourra se passer en cas de perte. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai trouvé un groupe sur Facebook. Alors, ça s'appelle Victimes de Mondial Relais. Les victimes de Mondial Relais ou Victimes de Mondial Relais, je ne sais plus exactement. Et. Ce sont toutes les personnes justement qui ont des problèmes avec Mondial Relais. Je vous jure que c'est pas mal, hein, quand on voit. Alors des fois les personnes reçoivent les colis de d'autres personnes avec des changements d'étiquette sur les colis. Voilà, Mondial Relais a changé les étiquettes et donc je sais pas comment ils font. Et puis vous recevez, bah, vous avez commandé des bouquins. Et puis vous recevez un blouson. Voilà. Et puis eux, ils s'en lavent les mains complètement. Alors voilà. Donc bon, moi, petit aparté fait. C'était juste pour expliquer ce petit désagrément. Et puis expliquer si un jour j'ai besoin de vous envoyer des colis. Voilà comment je procéderai. C'est en priorité envoi par la poste. Et si vraiment vous ne voulez pas, on fera par Mondial Relais. Sinon, il existe aussi relais colis. Voilà. Donc, si vous avez un relais colis près de chez vous, on peut aussi envoyer par relais colis. Voilà. Bon, là, j'ai fait qu'une fois ou deux. J'ai pas eu de problème avec eux. Mais bon. Voilà. Bon, si un jour on doit. Si on doit s'envoyer. Si je dois vous envoyer un colis. Ce jour-là, ben, on en reparlera. Voilà. Voilà, ma petite aparté est faite. Je referme les guillemets. Et là, je vous laisse visionner ma vidéo. Donc, sur mon TP, sur la femme et le tigre. Je vous souhaite un très bon visionnage. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très rapidement. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, des nouvelles aventures avec plein de belles choses. Allez, à bientôt. Bisous, bisous.